vous mon site web. Il est resté un peu longtemps dans l'ombre et là, je pense que c'est le moment de vous faire une visite à travers lui. Donc, pour y accéder, tout simplement, il faut taper docteur Touraya.com. Après, voilà, vous allez vous trouver dans la page principale. Donc, la page principale, ici, vous avez le menu. Donc, dans la page principale, ici, donc, il s'agit bien d'un site web pour vraiment booster votre carrière en IT et améliorer vos skills afin de, voilà, retrouver votre job de rêve ou, en fait, avoir, peut-être obtenir votre diplôme si vous êtes encore étudiant. Donc, vous pouvez commencer en fait la visite en appuyant sur Get Start ici. Donc, on clique dessus. Et là, on va se trouver dans la liste, on va retrouver la liste des cours qui sont déjà en ligne et qui sont gratuits. Donc, en fait, tous ces cours, bon, ici, je ne mets pas la totalité, mais en fait, il faut savoir que ces cours, ils sont gratuits et ils vous mènent également à ma page YouTube. Donc, ici, par exemple, il s'agit bien d'un cours ou d'une vidéo qui parle du cycle de vie DevOps. Vous cliquez dessus pour la Hello, regarder ou bien, tout simplement, vous pouvez aller directement sur ma page YouTube pour regarder la vidéo. Là, je vais couper. hello. Hello, hello, everyone. Hope you are doing well. So, in this video, we talk about the. Bon. En fait, j'ai commencé, oui, en anglais. Après, j'ai changé. Je me suis dit que vaut mieux, je pense, de cibler la communauté francophone. Pourquoi? Tout simplement parce que, voilà, à la base, je suis tunisienne et vaut mieux, en fait, voilà, cibler les Tunisiens, pourquoi pas, et également la communauté francophone. Peut-être le marché anglais, il y a assez de gens connus là-bas, il y a assez de matière, donc je ne sais pas si on pourra faire la différence, mais voilà, le marché anglais, je pense qu'il est un peu saturé, donc je me suis dit que je peux en fait rajouter au marché français entre guillemets, mais le marché francophone en général. Alors, je reviens donc sur le site. Comme je vous ai dit, donc ici, tout simplement, là où j'étais, donc vous allez retrouver tout simplement les free courses, donc les cours qui sont gratuits. Après, voilà, quand vous descendez ici, donc vous allez retrouver les prestations que j'ai envisagées pour le moment. Donc, il y aura des choses qui sont gratuites. Il y a des choses qui sont payées. En fait, les choses payées, en fait, les cours, le contenu payé, ça sera enfin, dédié pour les professionnels, comme ça peut être bien sûr dédié pour les étudiants qui ont les moyens de payer leurs cours. Sinon, ne vous inquiétez pas, hein, parce que voilà, il y a de la matière gratuite également. Et ici, les premium training, ce sont plutôt en fait, formations pour les grands groupes des entreprises. Et voilà, c'est-à-dire pour des entreprises tout court, donc un groupe de professionnels qui veulent bien sûr en fait qui veulent en fait mettre à jour les talents ou le savoir de leurs employés. Donc voilà principalement les prestations que j'ai envisagé de faire. Pour ma carrière en nombre, en fait, j'ai enseigné plusieurs étudiants. Il faut savoir qu'à la base, moi, j'ai fait, en fait, j'étais enseignante à l'université et également, en fait, je suis actuellement architecte cloud ou solution architect. Voilà, donc auparavant, quand j'étais enseignante, j'ai enseigné plusieurs étudiants face à face, comme j'ai fait de l'online learning. Voilà, donc j'ai une expérience à peu près de 15 ans. Pendant cette expérience, en fait, j'ai présenté différents, j'ai donné des talks
Ça dépasse les 100, hein, ce qui est sûr, entre des conférences, entre les cours en ligne, entre en fait les présentations et les formations même au sein des entreprises. Donc ça dépasse certainement les 100 talks. Ici, alors je me présente, je dis voilà, c'est qui Touraya Esbouy. Donc à la base, comme je vous ai dit, j'étais dans le domaine académique. Après, j'ai fait une sorte de reconversion professionnelle, parce que je me voyais au-delà de la classe. Et surtout, pas seulement je me voyais au-delà de la classe, hein, je me vois en fait mélanger cet aspect académique avec l'aspect, disons, des entreprises et de l'IT. Voilà, de l'IT qui cesse pas, hein, d'évoluer. Donc ici, donc, je fais une petite biographie, je me présente. Et là, je présente les entreprises et les grands comptes pour lesquels j'ai travaillé. Donc, j'ai travaillé pour Microsoft, L'Oréal, the European Space Agency, spécialement à l'IAS, l'Institut d'astrophysique spatiale. J'ai travaillé pour le groupe Ramsay Santé, le groupe ADP, etc. Ça va filer normalement. Enfin, j'ai travaillé enfin pour de très très grands comptes. Voilà, donc il y a ça, Schneider, Talon, etc. Il y a d'autres, peut-être Société Générale, Orange Bank, etc. Ici, vous allez trouver some feedbacks, donc quelques en fait reviews ou quelques commentaires pour des étudiants qui ont reçu des cours en ligne, par exemple quand c'était étudiante, ou bien des gens qui ont reçu en fait des cours face à face. Voilà. En bas, vous allez retrouver en fait des quick links ou des liens qui sont voilà, qui vont vous mener en fait. En fait, on reprend ici le menu qui est en haut. Ici les prestations. Si vous voulez me contacter, vous pouvez me contacter ici sur mon mail ou bien voilà, et vous pouvez rejoindre dans l'une de ces réseaux sociaux. Je suis joignable, donc n'hésitez pas à cliquer sur chaque icône et à voilà, hein, me contacter et à vous abonner, hein. Ça me fait plaisir, ça me ferait plaisir et voilà, c'est un support, que je vais considérer ça comme un support et voilà, hein, voilà, on va apprendre plein de choses et je serai ravie de partager surtout avec vous ce que j'ai, enfin, ce que j'ai appris, je dis que ce que j'ai appliqué, hein. Mais disons, hein, on apprend tout le temps, donc je peux dire que ce que j'ai appris pendant ma carrière d'architecte. Voilà, donc ici, vous allez retrouver les prestations. Donc ici, vous avez les free courses, comme je vous ai montré tout à l'heure. Également, en fait, qu'est-ce qu'on va trouver? Vous allez trouver également ces prestations qui sont paid courses. En fait, voilà, ces prestations will be coming soon. Donc, vous allez les retrouver bientôt. D'accord? On est en train de travailler dessus. Également pour le Premium Training, it's coming. Donc, en fait, ce sont des prestations qui sont en cours d'édition et de conception, etc. Voilà, je serai bien sûr très très ravie de faire des trainings, que ce soit pour les grands comptes ou bien pour des professionnels. Ça me ferait un grand plaisir, surtout un échange après cette carrière et voilà, un échange et surtout un apprentissage bien bien étudié. En fait, ici, la rubrique blog, c'est une rubrique que j'ai pas encore travaillée, tout simplement parce que je mettrai ici les articles que voilà, que je vais les éditer, que je considérerai important à partager. D'accord? Donc, il y aura un blog. Je pense en fait écrire les articles, les publier ici, peut-être les publier sur la page LinkedIn de mon site web. Ou en fait de Dr. Souray Academy, d'accord? Ici, en fait, about, dans la session ou dans la page about, je présente c'est qui, en fait, Dr. Touraya Academy, parce que, en fait, ce site web, Docteur, malgré que le nom, hein, le nom de domaine, c'est vrai que j'ai commencé avec Dr. Souray, mais il représente mon académie en ligne.
Donc, tout simplement ici, je reprends un petit peu ma story. Donc, je vous dis, voilà, qui suis-je, chez qui j'ai travaillé. Et après, en fait, voilà, je suis, pour le moment, je suis the main instructor. So, je suis l'enseignante, enfin, principale, disons, hein. Mais voilà, bienvenue, soyez les bienvenus. C'est-à-dire, s'il y a des gens qui sont, en fait, qui se considèrent experts, d'accord, en IT, dans un scope particulier, hein, n'hésitez pas à me contacter et à me dire, voilà, on veut rejoindre votre académie et voilà, hein, on discute et on peut voir ce qu'on peut faire et offrir pour notre communauté. Donc ça, c'est pour About Us. Et ici, en fait, dans la partie contact, donc vous pouvez tout simplement me contacter. Bah, si vous avez des collaborations peut-être à me proposer ou si vous avez par exemple des prestations où vous aurez besoin voilà d'une formation, vous pouvez me contacter sur WhatsApp, sur ce numéro, sur par mail ici ou voilà. Donc je serai ravie de répondre à vos mails et à vos besoins. Voilà. Donc ici, pour send us a message, également vous pouvez, si vous avez une demande particulière, n'hésitez pas à remplir ce formulaire et à me l'envoyer. Voilà, je réponds à ces mails dès que possible. Ici également, et finalement, vous allez trouver the frequently asked question. Donc si vous avez quoi que ce soit comme question, vous allez retrouver la réponse à cette question ici. Donc ça, principalement pour mon site web, hein. Ça, c'est comment dire, une visite rapide. J'espère qu'elle était en fait claire et surtout intéressante, hein. Restez connectés et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas surtout, hein, à vous abonner à mes réseaux sociaux. Merci beaucoup et à très bientôt. Bye bye.